J'ai fait cette vidéo pour demander excuse à tous les Béninois. Jamais, 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 jamais. Tu vas demander pardon à qui? Demande pardon à qui? Jamais, jamais dans la vie, on va pas accepter. Les Bokonos, les pétitions du Bénin, continuez votre travail. C'est pas ce que tu vois sur la chaîne. Hein? Non, 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 on fait autre chose dans l'ombre. J'ai fait une vidéo tout récemment où j'ai fait un clash, j'ai mélangé tous les Béninois ensemble. Franchement dit, j'ai pas fait cette vidéo si prétexte. Demain, de vous mettre en colère. J'ai pas fait cette vidéo si prétexte que non. Ça arrive à un certain niveau, s'il vous plaît. C'est juste par plaisir, j'ai fait cette vidéo. Mais là où ça s'en va, parce que je me suis connecté depuis matin, je vois ma tête, ma photo, si les fétiches. Mes amis m'appellent de nulle part. Mes amis m'appellent de partout. Qui voit ma photo, si les têtes de fétiches, il y a quel souci? S'il vous plaît, la vidéo j'ai fait, j'ai pas fait si prétexte de mettre les Béninois en colère. Famille, aidez-moi à m'excuser. Partagez s'il vous plaît. Famille, partagez s'il vous plaît dans l'urgence. Je m'excuse auprès de tous les Béninois. S'il vous plaît, excusez-moi. J'ai pas fait cette vidéo si prétexte de vous mettre en colère. S'il vous plaît, pardonnez. Je reconnais l'erreur commise. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Et ça ne va plus jamais se répéter. Famille, pardonnez. Aidez-moi à partager cette vidéo. Aidez-moi à partager cette vidéo, famille, afin que les Béninois puissent m'excuser. Pardonnez. Voici ma main en l'air. Je m'excuse avec toute sincérité. Je m'excuse avec toute sincérité. Pardonnez. Pardonnez, excusez-moi. Je m'excuse. Je m'excuse avec tous les Béninois. Pardonnez. Je demande excuse auprès de tous les Béninois. Ça ne va plus jamais se répéter encore. S'il vous plaît, excusez-moi. Pardonnez. Voici ma main en l'air. Mais on ne voulait plus, oui, mais on papa, moi-même, je quitte ici maintenant. Je vais donner à Kassa à Toléba. Tu connais Toléba? À Toyoma, à Noyoma. Nous, mais nous, 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 on peut même pas traiter des business avec vous. Tu es un Béninois? Ah non, je n'ai pas confiance. Il n'a pas confiance d'Ian. Jamais il n'y a pas d'excuse. À moins que tu viens au Bénin demander l'excuse là auprès de nos fétiches ici. Point. C'est fini, on va te pardonner. Sinon, si tu ne viens pas, il n'y a rien au coup droit. Tu as déjà rêvé. Les Béninois sont déchaînés, Simon. Les disciples de Marco se sont déchaînés. Maintenant, d'autres me rappellent que la fête des vaudous, c'est pas le 13. Parce que j'ai dit le 13, ils me rappellent que c'est le 10. Ah bon, donc la fête des vaudous existe réellement. Maintenant, moi, je vais vous dire une chose. Peu importe la date, mais ils vont fêter. Quand la date arrive, ils vont. Parce que s'ils ne sont pas partis, ils savent les conséquences qui vont venir derrière. Maintenant, vous les Béninois, moi, je vais vous dire une chose. Peu importe la date, vous les Béninois, moi, les DG, je m'en fiche de vous. Parce qu'on ne va pas accepter que des démons aillent faire des rituels pour venir construire des cases qui s'appellent l'église. Et puis, nous, on va les suivre, on va les écouter. C'est impossible. Tous les disciples de Général Marcos, ce sont des démons. Vous tous qui suivez Général Marcos, tous ceux qui m'ont clashé en commentaire, c'est les disciples de Général Marcos. Vous êtes tous des démons. Et puis il y a un même qui me dit que non, la fête des vaudous au Bénin, c'est notre identité. Si la fête des vaudous, c'est ton identité, sache que le cimetière serait ton extrait de naissance, ça c'est sûr. Et puis je vois des Béninois me menacer en commentaire jour et nuit. Vous n'aimez pas qu'on mette vos culs dehors, mais vous passez votre temps à sacrifier des pauvres innocents jour et nuit. Et vous n'aimez pas qu'on mette vos culs dehors. C'est que moi je vais vous dire, tant que vous êtes dans vos bêtises, on va continuer à parler jour et nuit, surtout moi le DG. Ma bouche ne me fait pas mal. Et puis vous ne pouvez rien créer, rien créer, c'est moi qui vous dis ça. Que ce soit pour rire, apprendre ou simplement passer du temps à regarder des contenus amusants, il y en a pour tous les goûts sur cette chaîne. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a permis de découvrir de nouveaux contenus divertissants. Merci d'avoir regardé et à bientôt.